Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des news de Dragon Ball Xenoverse 2 concernant le prochain DLC, encore une fois. Il y a plein de news qui pop, donc vraiment, le DLC devrait pas tarder à avoir une date de sortie. Comme je le disais la dernière fois, ça sera très certainement aux alentours de mai, vu qu'il y a la mise à jour PS5 le 24 mai. Ça sera peut-être en même temps, ça sera peut-être une semaine après, je sais qu'ils aiment bien faire ça, donc on peut considérer que fin mai, il y aura le DLC, et ça me paraît vraiment probable. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ces news? Eh bien écoutez, je vous laisse tout de suite avec les deux vidéos, et on se retrouve juste après pour en parler. Vous allez voir, c'est... Je suis mitigé, je suis très mitigé, on en reparle juste après. Donc comme vous avez pu le voir, Videl et C18 arrivent sur le jeu. Bon, c'est des nouveaux personnages, ils ont l'air originaux, il y a l'air d'avoir des nouveautés, c'est cool. Mais j'ai quand même quelques petites choses à dire dessus. Donc déjà, bon, Videl et C18, on pouvait s'attendre à clairement mieux comme personnage, il y a beaucoup plus hype. Donc est-ce que C18 et Videl, c'était le plus intéressant? Surtout Videl en fait, c'est Videl qui est spécial, parce que, bah, elle sort de nulle part. On la voit jamais spriter dans DBS, clairement. Et justement, quand elle a cette tenue, dites-vous que moi, je vois cette tenue, je me dis, bah, c'est la tenue qu'elle a dans Battle of Gods. Dans Battle of Gods, Videl est enceinte. Hein. Ça choque que moi ou... Donc bon, why not, hein. On a une Videl enceinte et une C18. Tournoi du pouvoir, on va regarder en détail après ce qu'à fond. Petit truc sur C18, le truc le plus intéressant, on va dire, c'est que C18, elle était dans le Cotton City Vote Pack à l'époque. Pour ceux qui savent pas, en gros, il y a eu un pack de DLC où on pouvait choisir quel personnage serait disponible dans ce DLC. Donc on n'avait pas le choix entre un milliard de personnages. Il y en avait 5, il me semble. On avait Goku Ultra Instinct Signe, qu'on a eu, parce que les gens le voulaient. On a eu Dispo, qu'on a eu aussi. On a eu Vegeta GT, et il y avait C18. Et le dernier, qui arrivera du coup très certainement dans le prochain DLC, c'était Bergamo. Donc on peut déjà se dire, au prochain DLC, il y aura très certainement Bergamo, parce qu'on a C18 dans celui-là. C'était les deux personnages qui n'avaient pas été choisis. Prochain DLC, peut-être Bergamo, on laisse ça de côté, c'est pour bien plus tard dans quelques mois, donc vraiment, ça nous intéresse pas tout de suite, mais au moins, peut-être qu'on peut se dire, un des prochains persos, ce sera Bergamo. On va commencer par C18, qu'est-ce que dit le post sur X? Alors, C18 DB Super sera disponible dans le prochain chapitre du DLC Future Saga. Donc si ce prochain chapitre... Dans le premier, oui, c'est le premier, c'est pas le prochain, ok, j'ai mal lu, donc c'est vraiment dans ce DLC-là. Donc on va avoir 4 nouveaux personnages jouables, peut-être même plus, ça se trouve. Ça m'étonnerait parce que 4, c'est vraiment énorme, et c'est ce qui me fait peur d'ailleurs, ça me fait vraiment très peur. Grâce à sa compétence spéciale, foncez vers l'adversaire et attaquez-le par derrière avec un Kienzan. Attrapez-le par surprise. C'est vrai que ça a l'air très stylé au niveau du gameplay de la C18, ça a l'air d'un... Il y a énormément de shop, c'est ça en fait, il y a énormément de shop dans ces attaques spéciales. On voit, bon là, moveset tranquille. Là, on voit une sorte de shop. Est-ce que c'est sa vraie shop? J'ai pas l'impression, parce que si on regarde bien, il n'y a pas le petit dash des shops. Alors vraiment, ça fonce. Donc, est-ce que c'est sa shop ou est-ce que c'est une spé? Là, on a une autre spé. Son combo, il a l'air sympa, son combo. Il y a des petits trucs. Ça change. Là, je crois que c'est la danse mortelle. Je crois qu'on l'avait déjà dans le jeu de base, ça. Et là, on a sa spé. On voit pas d'ulti, j'ai l'impression. Ça a l'air très stylé. Par contre, la petite spé en shop là qui se TP derrière et envoie un Kenzan, c'est sympa, j'aime bien. C'est pas non plus le personnage le plus hype de tous les temps. Le perso aura pas de transfo, évidemment, c'est juste C18. Le seul truc qui pourrait me faire dire ouais, le perso vaut le coup, c'est si elle a une spé ulti avec C17. C'est quasiment impossible parce qu'il y a... Dites-moi le contraire si ça existe, hein, mais il y a quasiment pas de persos qui ont des attaques ultimes avec un autre personnage. Honnêtement, j'aimerais bien qu'à façon multi, je sais pas, il y a un petit C17 qui envoie des petits rayons ou quoi, une connerie, tu vois, et après elle fait son giga coup de poing qu'elle fait contre Ribrian, je crois, pour les éjecter, c'est un délire comme ça. Je crois que c'est contre Ribrian qu'elle le fait. Je pense qu'elle aura un ulti avec son giga coup de poing, hein, ça m'étonnerait qu'elle l'ait pas. Mais on voit pas grand chose en soi, et c'est ça qui m'inquiète, on voit même pas d'ulti. J'espère que les personnages auront des ultis quand même, ça serait chaud. Peut-être qu'ils le gardent pour le trailer final, hein, très certainement.
Mais ouais, ça me fait peur qu'il y ait 4 personnages, mais on va en parler après. On parle d'abord de Videl. Alors, Videl, qu'est-ce qu'on nous dit ? Incarner Videl Dragon Ball Super dans le premier chapitre du DLC Future Saga, utiliser sa compétence spéciale pour réduire la distance et frapper l'adversaire à plusieurs reprises. Vous pouvez également effectuer un coup de pied tournant incontrôlable pendant l'attaque. Elle a un boost Videl. Je pense que Videl va être très 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 forte en PvP. Je sens que ça va être une sorte de hit à être très corps à corps mais faire des dégâts mon gars. Ce qui est étonnant aussi du coup parce que t'as Videl, les derniers personnages c'était des Gamma, c'était Piccolo Orange, c'était Gohan Beast. C'est vraiment des gros monstres et même en termes de stats, ils sont vraiment ultra énervés. Et là, t'as Videl. Ils vont faire quoi avec Videl? Ils vont lui donner des stats comme Gohan Beast? Ou comment ça se passe? Je sais pas comment ils vont équilibrer ça. Est-ce que Videl sera aussi forte? Videl enceinte sera aussi forte que Gohan Beast? Ça serait étonnant. Mais en termes de moveset et de compétences, elle a même un boost. Je pense qu'en PvP, elle va être vraiment très 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 énervée. Avoir leur super âme, hein, ça se trouve, les super âmes comme Gamma 2 vont les aider de fou aussi. Ils aiment de plus en plus faire des super âmes complètement pétées, donc ça se trouve, elle va être super forte en PvP, on verra ça. Au niveau de son gameplay, voilà, elle a un petit enchaînement, ça a l'air sympa. Là, c'est très certainement sous moveset. En vrai, j'aime bien. Videl, elle m'intrigue beaucoup plus que C18. Là, il a une autre attaque SP. Les coups qu'elle met, ça, on dirait pas... J'arrive pas à savoir si ça, c'est une attaque SP ou son moveset. Honnêtement, je n'arrive pas à savoir. Il n'y a aucun effet quand elle le fait. Est-ce que c'est son moveset? Je voulais pas de son, merci. Est-ce que c'est son moveset ou une spé? Là, elle a un boost, clairement. Est-ce que c'est à la fin de sa spé? J'arrive pas à savoir s'il y a une transition. Ah, c'est peut-être à la fin de sa spé, hein, parce qu'elle est au même endroit. Donc à la fin de sa spé, elle peut se booster, et là, elle a un enchaînement. On voit très peu de choses des personnages, on voit vraiment très peu de choses. Dites-moi si vous êtes hype par ces deux personnages, je pense que la plupart d'entre vous, vous allez être extrêmement déçus. Bon, ça va, on a quand même un Goku Black ultra super vilain, bon... C'est pas la forme qu'on attendait, mais bon, on a quand même un Goku Black, ça va, et un Vegeta God ultra super vilain, ça va encore, mais du coup, ça me donne un doute. Est-ce que les personnages, du coup, vont être aussi bien travaillés que s'il y en avait eu que 2 ou 3? Parce que là, on sait qu'on a au minimum 4 nouveaux personnages. 4 nouveaux personnages en un seul DLC, c'est énormissime. Donc j'ai très très peur que les persos soient, comme on le voit là, ils sont sympas, mais il n'y a rien de plus. Et ça serait vraiment extrêmement dommage. Ça, on pourra le voir que à la sortie du DLC. J'espère vraiment qu'ils vont pas se foirer là-dessus, parce que si tu foires les personnages dans ton DLC, c'est quand même une grosse lose. Donc, ce qui me fait le plus peur, c'est que le Goku Black Ultra Super Vilain et le Vegeta God Ultra Super Vilain soient juste des skins, avec peut-être une ou deux spé comme ces 18 et Videl là, et rien de plus. Pas de nouveaux ultis, pas de nouveaux movesets. Ça serait... ça serait terrible. Ça serait vraiment terrible, j'ai vraiment peur de ça, honnêtement. J'ai vraiment peur de ça, mais voilà, c'était la petite news, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Version abrégée, il y a une nouvelle C18, une nouvelle Videl de Dragon Ball Super. Elles ont l'air sympas à voir pour la suite, et on peut noter aussi que pour le prochain DLC, celui d'après, on aura très certainement Bergamo, vu que C18 qui était dans le Cotton City Vote Pack avec Bergamo, ils n'avaient pas été choisis. C18 arrive là, Bergamo arrivera très certainement après. Mais du coup, qu'en est-il de cette image? Parce qu'on voyait, en printemps 2024, on a le prochain DLC. Avec de la nouvelle story et des nouveaux personnages surtout. Nouveaux personnages, on nous dit qu'il y a Goku Black Ultra Super Vilain, Vegeta Ultra Super Vilain, et après on nous disait qu'il y en avait, on considérait, il y a trois petits points là, donc il y a un seul nouveau perso qui nous manque. Et au final, il nous en rajoute deux. Ça peut dire qu'il y en aura encore après. Ça m'étonnerait qu'il y ait cinq personnages. Et du coup, on pensait, Bardock, du coup, vu qu'il allait, on voyait Fu dans la story, ouvrir une faille, qu'il trouvait un truc intéressant, on se disait, même avec le tout premier trailer, on voit le Saiyan maléfique dans la faille temporelle, on se disait, Fu va aller chercher Bardock. Est-ce que, du coup, on va avoir Bardock dans ce DLC-là? Pas sûr, du coup, ça sera peut-être pour le DLC d'après. Je vois bien, du coup, Fu, à la fin de la story de ce DLC-là, ouvre la faille, voit qu'il y a Bardock, on voit peut-être Bardock très rapidement, et ça s'arrêtera là, et ça teasera peut-être le prochain DLC, celui qui arrivera peut-être vers été 2024, très certainement, ou début de rentrée 2024. Ça sera peut-être dans ces eaux-là, il sera ici, très certainement. Mais et étonnant, le choix de personnage est étonnant. Je pense qu'il y en a qui vont surkiffer les personnages, parce que personnage féminin, en plus ça change. C'est pas un énième Goku, une énième fusion, un autre Vegeta. J'aime bien.
je suis pas non plus ultra hype en mode oh, OMG, c'est Videl et C18, c'est pas un Gohan Beast non plus, c'est pas les gamas, faut pas abuser. Mais j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Dites-moi, vous, si vous êtes hype par ces personnages, est-ce que vous préfériez qu'il y ait un seul nouveau personnage en plus, mais que ce soit un Bardock? Je pense que j'aurais préféré ça, très honnêtement. Mais bon, je pense qu'on aura quand même notre Bardock un jour ou l'autre. Ça m'étonnerait qu'il y soit pas. J'espère que cette vidéo vous aura utile, les gars, que vous avez apprécié. Moi, je vous fais la grosse bazou, et je vous dis à la prochaine. Bye bye, les gars.